exclusif, après Modeste Mopa, le colonel Bankwi chargé d'une mission spéciale, jusqu'à 2027. Le président de la République du Cameroun Paul Biya compte sur plusieurs personnalités politiques, qui constituent sa force dans la gestion du pays depuis 1982, année de son accession au pouvoir. On peut citer Marcel Nyandjifangi, président du Sénat, Kaveye Yeguié, président de l'Assemblée nationale, Samuel Mvondo Iyolo, directeur du cabinet civil de la présidence, Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence de la République. Sur le plan militaire, il y a le colonel Joël-Émile Bankwi, à qui le locataire du palais présidentiel d'Etoudi à Yaoundé fait assez confiance depuis des années maintenant. Comme Paul Biya lui-même, Émile Bankwi a pris de l'âge au fil du temps et devrait déjà être envoyé en retraite, de la même façon que Paul Biya qui continue par s'accrocher au pouvoir contre vent et marée. La retraite de Bankwi était manifestement programmée pour cette année 2023, mais il y aurait eu du changement de dernière minute selon le lanceur d'alerte Boris Berthold. Exclusif, Paul Biya prolonge le départ en retraite du colonel Bankwi de 2 ans, écrit-il vendredi le 27 janvier 2023. La source précise que le président Paul Biya, dans sa grande magnanimité légendaire, a décidé d'octroyer en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, 2 ans de plus au chef de division de la sécurité militaire, le très sulfureux colonel Joël-Émile Bankwi, 2 ans de plus avant son départ en retraite. Par conséquent, au lieu de 2023, Bankwi devrait donc partir en retraite en 2025. Autrement dit, il reste aux côtés de Paul Biya, qui l'aidera comme il l'a toujours fait sur les questions militaro-politiques. De plus, au sein des forces de défense, un autre décret est en cours de préparation visant à augmenter de 2 années l'âge de départ à la retraite de tous les officiers. Si ce texte est signé dans les prochains mois, Émile Bankwi ira en retraite en 2027. Le but de la manœuvre serait de garder l'homme tout prêt jusqu'à l'élection présidentielle de 2025, qui arrive à grands pas au Cameroun.